toujours autant de supporters et vous avez signé toujours autant d'autographes. Hein. Alors on va voir aussi que votre préparation est peut-être un petit peu changée dans la mesure où vous avez maintenant besoin d'un kiné également pour vous préparer. Effectivement, mais le kiné me suit depuis déjà une saison. Je crois que pour un sportif de haut niveau, ça devient indispensable. Nous avons besoin d'un kiné pour nous suivre, nous masser et pour nous vraiment être toujours auprès de nous quand il y a un problème. Comme là, j'ai connu un problème dans la seconde manche. J'étais complètement épuisé. Et, si le kiné n'avait pas été là, je crois que ça aurait été très dur pour récupérer. Alors quelle impression ça fait de revenir vraiment comme ça dans la bagarre après une attente d'un an presque? Eh bien, ça peut paraître peut-être surprenant, mais j'ai longuement pensé, surtout dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai longuement pensé à toute cette période justement de rééducation et toute cette période noire où je me suis battu pour revenir justement. Vous êtes avec le numéro 2, hein, pour ceux qui vous chercheraient là sur les images. On m'a attribué justement le numéro 2 alors que j'ai le numéro 9 qui était prévu pour cette année. Et finalement, bien, vous êtes retrouvé tout de même sur un podium pour la deuxième manche, je crois que vous avez terminé troisième. Une troisième place. Et là, on voit donc ces préparations entre les manches et puis entre les essais aussi, indispensables aux articulations. Et puis, bon, c'est vrai que c'est peut-être encore plus important pour vous après ce qui vous est arrivé. Oui, j'avais surtout peur que d'avoir des problèmes de dos. C'est pour ça que Jacques m'a suivi cette journée-là, mais il vient maintenant avec moi régulièrement sur tous les Grands Prix et sur tous mes déplacements. Est-ce que ça veut dire que maintenant vous êtes revenu à votre top physiquement, je veux dire? À mon top, très certainement pas, puisque bon, j'ai prouvé que je savais encore rouler vite, mais j'ai roulé vite pendant 20-25 minutes, et puis j'ai énormément faibli. C'est ce que disait tout à l'heure Georges, le physique est très important. Je n'ai pas encore le physique, je manque de compétition, mais on va travailler tout ça pour l'année prochaine. Donc là, l'année prochaine, vous faites une saison complète. Hein. Une saison complète avec Sonoto Yamaha.